aujourd'hui, on est situé sur le parc du Calvaire, hein, au Gosier, à l'occasion de l'inauguration de la plaque dénominative de l'aire de jeu, hein, justement, au nom de Clémence Bottineau, donc Miss Guadeloupe 2019 et Miss France 2020. Bah, écoutez, la ville du Gosier est très fière, hein, puisque bon, c'est une belle personne. Clémence fait beaucoup, hein, pour les enfants. On sait très bien qu'elle a à cœur, elle a à cœur, hein, vraiment à... Voilà, à partager cette fibre vraiment avec les enfants qu'elle a. Donc du coup, ça représente beaucoup pour elle et ça représente aussi beaucoup pour la ville du Gosier. Aujourd'hui, nous sommes au Gosier pour inaugurer notamment une plaque à mon nom concernant le parc pour les enfants qu'il y a ici au Gosier. Donc c'est un grand honneur pour moi. Alors oui, le Gosier a une place particulière dans mon cœur parce que c'est ma commune. C'est là où tout a commencé, c'est là où je suis devenue Miss Guadeloupe, c'est là où j'ai eu mon bac. Donc vraiment, c'est une commune qui me tient énormément à cœur et puis c'est un grand honneur pour moi. Je suis très émue. J'ai du mal à réaliser que ce soit réel parce que c'est vrai que aussitôt dans ma carrière, avoir une plaque, c'est assez fou et surtout que c'est une demande des enfants et ça, c'est d'autant plus beau. Alors, une personne qui m'accompagne au quotidien, il y en a beaucoup. Bah, déjà, il y a mes parents. Tes parents, hein, ouais. Mes parents qui, aujourd'hui, je n'habite pas forcément en Guadeloupe quotidiennement, mais mes parents sont là depuis le jour 1. Ils me guident, ils m'écoutent. Parfois, ils me disent non, on n'est pas d'accord avec toi. Et en fait, c'est grâce à eux si aujourd'hui j'ai pu réussir à tirer quelque chose vraiment du titre de Miss France et je continue à le faire. Et voilà, je dois tout à mes parents et à ma famille. Et mes amis aussi, quand même. Alors, les enfants, je suis très heureuse que vous puissiez vous amuser sur ce parc. Attention, hein, faut respecter chaque personne, faut pas se précipiter, mais voilà, vous avez une vue qui est magnifique, profitez de l'air frais, amusez-vous, vivez votre innocence, vivez votre insouciance et voilà, j'espère que du coup, vous allez bien vous amuser sur le parc Clémence Bottineau, si je peux dire ça comme ça, c'est surréaliste. Écoutez, je suis heureuse pour Clémence parce que comme j'ai eu l'occasion de le dire, Clémence, elle a à cœur, hein, de mettre son titre au service des Guadeloupéens, au service des enfants. Elle a eu l'occasion depuis 3 ans de porter un certain nombre de projets, toujours autour des enfants. Et la voir comme ça, honorée, mise à l'honneur par la mairie du Gosier, effectivement, c'est beaucoup de fierté pour nous et beaucoup de bonheur, puisqu'on la sait heureuse en tout cas. Parce que les enfants, même si on leur inculque un certain nombre de valeurs, même si on a des projets pour eux, eux, ils ont leurs projets, leurs propres projets. Et il faut que nous, parents, nous fassions attention à ne pas passer à côté des projets de nos enfants. Ne jamais leur imposer nos propres projets et leur laisser mener leur barque quand on les sent prêts et en mesure de les mener à terme. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Cet après-midi, ici à Gosier, dans le parc du Calvaire, nous avons inauguré ce nouveau terrain de jeu qui est dédié aux enfants du Gosier pour qu'ils puissent se détendre. Je suis très heureuse. Regardez, je repars avec une petite surprise, un petit casse-croûte. Et puis en plus, il y avait aujourd'hui Cédric Cornet, le maire de Gosier, qui est une très belle personne, ainsi que Clémence Bottineau, la Miss France 2020, qui est vraiment exceptionnellement magnifique, une personne tellement humble et simple, pas seulement belle physiquement, mais aussi d'une grande beauté de cœur, d'une grande humilité, qui s'intéresse à l'humanité, qui s'intéresse au patrimoine et qui est vraiment une personne magnifique. Alors, au nom de ma majorité, mais surtout des enfants de l'école de CE1, de l'école Georges Marcel de Mango, qui ont fait un travail formidable et qui ont surtout eu l'idée de base d'appeler ce parc Clémence Bottineau. Et la majorité en a suivi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une très belle fête. Et ça donne surtout une importance au-delà du titre de Miss. Ça donne le travail d'une gosérienne, le travail caritatif et autour des associations pour les enfants. Et ça, pour nous, c'est important parce que demain, les enfants, ça leur donne un modèle à suivre. Ça leur donne une base en termes d'éducation. Et je tenais à remercier tout le monde et surtout Clémence pour tout ce qu'elle fait dans ses activités. Et il est important pour nous de valoriser les gosériens et les gosériennes. Et à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et donc, c'est ce qu'on fait depuis le début de la mandature et on va poursuivre tout le long. Bonjour, je m'appelle Maëlika et je vis au Gosier. J'étais très heureuse d'aller à l'inauguration du parc du Calvaire. J'ai même pris un selfie avec elle. Je la trouve très, très belle. C'est
Je suis très contente d'être ici, de faire l'inauguration du parc et voilà. Trésor de notre ville, forme le gosier. Intelligente. On a dit boulot bravo. Ouais. Ils sont un exemple pour nous. Ouais.